Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis originaire du Burundi. Dans mon pays, à Bujumbura, je travaillais comme journaliste sportif à la radio Bonesha. Et lors d'un coup d'état manqué en 2001, l'armée a saisi notre radio. Et c'était à ce moment que j'ai commencé à vraiment penser à quitter le pays. Ce n'est que quelques mois plus tard, quand j'ai entendu des coups de feu qui ont tué mon superviseur et son fils, que j'ai décidé qu'il était temps. J'ai fui à Montréal avec 60 dollars dans ma poche, avec un espoir d'un nouveau commencement. Au début, les choses au Canada ne sont pas passées exactement comme je l'espérais. Je ne connaissais personne, je n'avais pas de permis de travail et je me suis retrouvé dans une maison de sans-abri. Je n'ai pas manqué d'espoir. Malgré les difficultés, j'ai pu trouver un emploi dans une radio francophone à Toronto. Et maintenant, je suis entrepreneur avec ma compagnie comme coach et motivateur. Je partage donc mon histoire pour motiver les autres avec un message d'espoir et de positivité.